Aloha, aloha mes amis, aujourd'hui je partage avec vous une vidéo que j'ai trouvée comme ça sur le net. Une vidéo d'une dame qui parle d'orange, elle fait le parallèle avec cette dimension prophétique. Et pendant qu'elle parlait, ben, j'ai fait le parallèle avec la dimension d'entrepreneur. Donc vous me connaissez, hein, je ramène souvent les choses à l'entrepreneuriat. Et donc j'ai eu une réflexion là-dessus, il y a trois éléments que je vais partager avec vous. Donc je vous laisse regarder cette petite vidéo et on se retrouve après tout de suite donc pour que je vous partage mes trois points de réflexion aujourd'hui. À tout de suite. Voilà l'orange fabriqué ici en Europe. Quelle est sa particularité? Il n'y a aucun grain. Donc ce sont des fruits où il n'y a aucune semence. Tu peux montrer en gros. Voilà. Il n'y a aucune semence. Ça veut dire qu'on ne peut pas replanter. Voilà une orange belle d'apparence, mais elle n'est pas naturelle. Donc je voulais vous montrer ça pour dire que Dieu nous a dit de manger tout arbre porteur de semences. Et quand on supprime la semence et que la Bible nous dit qu'on ne pourra ni acheter ni vendre sans le 666. Donc, c'est une catégorie de personnes qui va avoir le monopole des fruits, des légumes. Et ça, c'est la dépendance de tout être humain, aller acheter chez ces gens-là. On sera esclave de ces personnes. Voilà l'orange sans pépins, sans grains. Qu'est-ce qu'on va planter? Donc, j'interpelle tous ceux qui sont dans nos pays, qu'il est temps de garder les semences et nos produits naturels, débrousser les champs, planter, s'aimer. Parce que la grande famine qui arrive est déjà ici en Europe. Voilà, une orange sans pépins. Donc, je ne peux pas la replanter. Que Dieu bénisse chacun. Amen. Nous revoilà donc et comme je vous le disais, je vais vous partager la réflexion, les réflexions. En tout cas, il y a trois grandes lignes que j'aimerais partager avec vous suite à cette vidéo que je trouve très intéressante. Donc, comme je vous le disais, je fais le parallèle avec la vie d'entrepreneur. Et la première des choses donc, que je me suis dit, c'est que voilà, tout comme ces oranges, dans la vie, il y a des personnes qui ont des pépins et d'autres qui n'en ont pas. Des personnes qui, comme ces oranges-là, justement, ont ou pas des pépins. Et c'est la même chose pour les entrepreneurs, puisque les entrepreneurs sont des êtres humains. Tu es une personne, je suis une personne. Et ça peut être le cas de cette orange qui n'a pas de pépins ou le cas de cette orange qui a des pépins. À la différence, je crois, c'est que nous avons le choix. Je peux décider d'être cette orange, cette personne qui transmet quelque chose, qui donne quelque chose, qui amène la vie quelque part. C'est un choix. Ou alors qui est simplement ben, juste dans sa dimension. La deuxième chose sur laquelle j'ai médité là-dessus, c'est que justement comme ces agriculteurs qui ont ces fruits avec pépins, donc ces fruits qui amènent la vie, ces fruits qui ont une semence, ben, souvent ben, ce sont des petites entités, de petits agriculteurs, de petites structures. Et ce qu'elles font, elles se mettent ensemble en coopérative. Et je me suis aussi rappelée de cette solitude des petits entrepreneurs. Et j'ai encore envie de t'encourager à ne pas rester seul. Trouve une communauté. Trouve vraiment cet environnement de personnes qui vont t'aider. Qui vont t'aider parce que justement, tu te sens peut-être petit, tu te sens peut-être petite. Et à ce moment-là, bah oui, la solitude, et je pense que c'est vraiment ça le gros problème. Ne pense pas que tu te protèges en restant seul. Bien au contraire, tu te fragilises. J'aime à dire que seule, je suis forte. Ensemble, nous sommes puissantes. Donc, trouve cet environnement de puissance, cet environnement de croissance, cet environnement de confiance qui va t'aider. Et justement, ça m'amène à la troisième réflexion. Mais ça va t'aider face aux difficultés parce que les pépins représentent ben, les pépins de la vie, les difficultés que tu vas rencontrer en tant qu'entrepreneur. Et justement, lorsque on fait le parallèle, en tout cas, lorsque je fais le parallèle à ces pépins qui sont une semence,
souffrances, mais qui sont aussi des difficultés. Je pense que ça fait sens pour toi qui traverse des moments difficiles pour que tu comprennes que c'est parce que justement tu es une semence. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas inutile. Donc ne maudis pas ta situation, ne sois pas découragé. C'est parce que tu fais partie d'une catégorie particulière, celle qui transmet quelque chose, celle qui amène la vie, celle qui est utile à l'autre, celle qui n'est pas auto-centrée. Et donc, ces difficultés, c'est certainement pour que tu puisses te révéler à toi-même et te révéler justement aux autres. Bénis ta situation. Commence cette semaine dans cette dimension, dans cette vision, dans cette approche. Sois encouragée.